Depuis 1923, la Turquie est une république. Son fondateur, Mustafa Kemal Atatürk, est considéré comme le père de la nation turque moderne. Il jeta les bases d'une république laïque occidentalisée, née sur les cendres de l'un des plus grands empires de l'histoire, l'Empire ottoman. À son apogée, cet empire s'étendait sur 3 continents et 4 mers, et l'islam sunnite en était le ciment. Il est difficile de croire que ce fut le centre du rayonnement du christianisme au 1er siècle, et pourtant, c'est bien la Turquie qui accueillait les 7 églises de l'Apocalypse. Mon enquête sur les traces de l'église de Philadelphie, la plus modeste, mais aussi la plus victorieuse des 7, va me permettre de comprendre comment un tel basculement de civilisation a pu avoir lieu en Asie mineure.